Messi, Bansombote, Katina Kombo, Yankolo Yesu Christo. Buye tokuleka na botangi bwalirobali ensambe. Mpe nasima toko bondela. Tokutanga na Matai. Toko mibale na moko. Matthieu 28, 21. Nzira botangi tukumi bale na mwambe kino, tukumi sat na mibale. Du verset 28 jusqu'au verset 32. Na kotang. Que vous ensemble, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressa à l'autre, il dit la même chose. Et ses fils répondirent, je vais bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des dieux. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Et Bokokani Nanan. Moutou moko. Ajoaki bana babale. Mpe. Aloberaki oyaliboso alobi. Mwanangai. Kende kosala lelo. Kat ne langananga biwit. Mwana ya noli na lingi na ngati. Na sima, mwana ngo aleri mabe. Mpe, akendeki. Asololaki na mususu, alobi, lulenge moko. C'est-à-dire, kende lelo, kosala elangananga biwiti. Pe mwana ngo ayanuli nalingi na ngai kolo mesi makolo banalingi na nga akendeki na eti. Wayambo alubaki nalingi na ngati. Sima na kuluba bongo, aliraki mabena ye, mbe akendeki. Oya mibale, ayanuli ayanu contrairement,
nande kona ye abi nalingi nangate nakendete nalingi nanga nakokende kasi simanango akendeki na yete. Lequel de Dieu a fait la volonté du Père? La volonté de leur Père, Isaac, exprimée dans sa parole. Lequel de Dieu avait fait cette volonté du Père? Quand il a bango baba allé, nani a sragi mokano ango ya tata. Tato ya bouta kiba. Nani asalaki mokano na ye. Moko alobi, na boyi na nga na okende ti. Parce que ne tata bande koloba wana, wana mokano. Yango tata kanaki na motema, atalisi bango na koloba. Maloba na ye, etalisa mokano na ye, mwe azwaki na kati ya motema. Mwana liboso alobi, nakende na ngati. Pena sima aleli mabe, pe akei. Oya bibala alobi, nalingi kutu. Nalingi ango bien na okende. Pena sima nango, ake na yeti. Siko nakati na bangombale bana wana. Nani yango asalaki mukano ya tata. Oye mulisamaki nakati ya liloba tata asadresaki na moko na moko. Et c'était la même parole. Pas deux. Pas à chacun sa propre parole. La même. C'est-à-dire la même volonté. Exprimé, révélé dans cette parole. De deux de ces fils-là. Nani asraki, mukano ya tata. Nani andimaki yango, nani atosaki yango. Ezando ya lobaki, naboyi nanga. Pe na sima bongo li motema akei. Eske yende asraki. Tonde. Oya lobaki, nalingi nangai, nako kende. Me atako bongo, akendeki na yete. Yende asalaki, pese ya, yomoko. Be omitala, omimeka. Okokali na mwano wapi. Ngai pe nakokali na mwano wapi. Yopi okokali na mwano wapi. Yelu kula zawa, nakokali na mwano wapi. Bisode to alia, tu kukai na mwano wapi. Vino peti, kukai na mwano wapi. Bango lukona, kukai na mwano wapi. Mutula mutula kuko mimeka. Pe uko miyeba. Ndoi na yo eza mwano wapi. Disposition wa motema na yo salokola nani na kati na bana wapi. Amen, 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 amen. Me osaleli angote. Kolobi na koloba, amen ete. Pena sima osaleli. Nani? Asali mukano ya tata. Bango ba yanoli le premier. Oya liboso. Oya liboso ndio alobai na okende te. Na boi nanga. Me atako bongo. Abongo li motema. Ayeko ke. Siko yonkolo alobi. Et Jésus leur dit. Je vous le dis en vérité. Les publicains et les prostituées vous devanceront. Où? En quoi? Dans le royaume de Dieu. Dans le monde, il y a un seul. Il y a un seul impact. Il y a pitié. Basio ya piti. Poba e izami bale. Basio ya piti. Bakole kaliboso na bino. Kati na bokonji yango ya nzaba. Botika la sima.
sakanaka me okomuno kotika la sima mwaso na yapite mubali wana yapite musumuki wana mukongoli pakwana mutuma bewana okosutuka yakotina bukunja za yoti kalina jambi yoane ayaki panabini nanjela nini mikati nanjela nguya bosembo mbe bondimaki kati na yete metango bino boboyi kondimakati na Jean bondimi yete bakongoli mpako basumuki wa na baswane ya pite bandimaki kati Webi koloba ke ngai na alokola yeti, ngai na alokola yeti, ngai na, wana maloba. Me mote mezele kwa mususu. Okoko tiyo lo, ozo meprize mtu mususu. Ah, ye, ambe na masanga, eh. Ye, kinduma na yele ki. Ye, amu yibi. Ozo loba. Me diloba tango ebimeli yo, esko yozo ndibu. Esko ozo sara mokano ya nza. Est-ce que vous avez un peu de temps? Mais wana, pite wana. Muyibi wana, ayoki liloba. Et vous avez un peu de temps pour vous. Vous avez un peu de temps pour vous. Vous avez un et vous, qui avez vu cela, tout ce miracle, toute la parole, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi et dimanche, qui avait entendu, qui avait vu tout cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti. Nasima nakomona kuyoka, bolera kimabete. Donc la garçon wana walubai na kendete, puis nasima liri mabe ayeko kende. Mais bino, bole laki mabete, kaka, nako kende, okende kena yoti, nako kende kaka. Nako sala, oh senye, nako sala, oh sala gati. Et cela, pour croire en lui, au message, à la parole, à l'envoyé de Dieu. Djambé Asuka Bisso. Bandeko babali, bandeko basi. Soki tuyuki, Nzambe alobi. Nzambe nde tomo na iwana ya atata. Soki alobi, mwana asala kamukano wa tata na ye. Mwana abeta kamonde nge na tatate. Okoko defie tata na yote. Okoko defie mama na yote. Meme wana mabele. Wana uzayiko mbibende la ilakeli. Mwana soki tata lobi, même soki yazano e volonté. Oki mwana analobaki, je ne veux pas. C'est, il a exprimé sa volonté, son vouloir. Je ne veux pas. Selon ma volonté, na okende na vignette. Et ensuite, il s'est repenti. Et il a sacrifié sa propre volonté pour ne faire que la volonté de son père. Il a là. En là. Il a jeté dehors sa propre volonté et il a accepté, il a obéi la volonté de son père. Yali kamo nabino wakate nangai. Nabino nabiso. Tolu kandoi nabiso awa. Nakati abana mbale awa. Yoko kani no wapi. Mitala mimeka. Ureno ya lubaki na kende te. Na ringi na angati. Pena si mabunguli mutema. Ayiko kende. To ureno ya lubaki. Hey, amene. Nandimi. Na kende. Na ringi ango. Pena si makena iti. Koloba eza iloko mongo. Peku sale eza iloko mongo. Koloba. Na lubibie. Koloba. Maloba. Eza iloko mongo. Wanande koloba. Mesalaka.
salaka. Ou exécuter, ou mettre en pratique. Et ça, comme ça. Bien sûr que nous avons dit que nous sommes allés. Hosanna, nous sommes les malades. J'aimais bien notre bien-aimé frère qui a été conduit par l'Esprit, comme il était depuis longtemps avec nous, pour empêcher, interdire les applaudissements. Quand on voulait applaudir, comme dans un parlement. Tout si tu bon, si ma boko pona ko sala boy, abi. Te! Et à parler mati, c'est de l'idolâtrie. La gangi bibi. To bon de la kasi. Oh, njab. Ngai. Na boy ko kokana na mwanu ya lobaki na lingi, pe akenda kati. Mbala mingi na sina lobi yango na lingi, mena kendere te, na lingi mena salaga te, boe te, ya malamu te. Mena lingi nde, na zala kukokana, na oyo alilaki mabe na ye, mpe ya kendeki. Do nasuka bobe na koyoka te, bobe na koloba te, koloba mende ya bien, aleluya eza bien, eza di loba nzabe. Mais si vous avez un thé, il faut que vous ayez un thé à la moussala. Il y a un coup de sénga. Vous avez une volonté. Vous avez une volonté. Volonté, il y a un coup de l'oba. Et donc, vous avez une volonté. Il y a un coup de sénga qui dit que vous avez un thé. Et à thé, il y a un Nandengo yangai, wale ya nasa ane volonté nanga. Wale nasa obike la ane volonté nanga me yayoti. Nentina mikakatano nyoso, nako jwa da ma vie. To na vie ya moko na moko na biso. Eza ande, kolinga kosala makambo, nandengo nga nazo lingela. Pe namo nisaka nzambi, nzambi mwende na sali, boete nkolo, yoke nanga mawa, eko bandengo na te. Nasa nande nangate, nasa na moka unangate. Minasa li nande mokano ya yo. Ya yonde za mala. Choki olobi, lelo, kende ni langa sala. Kaka lelo. Na oki mungungu wango, na ye isamote mamakasi te nandima. Pena tia di loba na musala na kende nasa. Boende. Eloko yoko lambele pata bisu ya nguwana. Hina bana baba rebaso. Omunisa kina moko na moko mokan. Bazo waki maloba yandenge mbale koke sedete. Dilobobe moko. Yangwana woko pesa. Biso diloba kaka moko. Diloba kaka moko. Metaleni disposition. Ya mutema ya moko na moko. Nakati na biso. Aleluya. Merci. Yango. Nangana bandekulanga toko senga kasi. Kuse na biso ngolu ya kukata ntina. Ya kukweisa mbukano ya biso. Ya kuboya mbukano na biso. Biso tukoko sayi la yote. Kulanda mbukano na biso. Wala tuho landa ne maloba na biso. Dilobana yo egesei na dilobo ya yao ya biso. Dilobana yo eza dikolo. Mbukano na yo mbukesei na mbukano na biso. Mbukano na yo ne moleki mala mube. Alléluia. Tokoko sa makambo ebele. Mesoke tali bana boko na yo okoyamba ngo te ondi mate. Oko reconnaître ata ilo moti. Parce que ezande ko sora boko na yo. De yango litomba. Yango ko pesa accès. Ya ko ingira na boko nzambe.
yango ekopesa accès même ko yambeli musad yango bota masika pe bongo na bongo matondo zana bisu na tango moke tozali liboso longi na yo okamba otambwisa parce que zayo ya mutu mususu te yonde tocheli motema na kombo ya nkolo na biso Yesu Kristo. Amen. Tukwe kuvanda. Tuyambakili suru kula na pwasa penza ndeko na biso Richard Mbika ya Anglete. Ilungo na mwasiwaye. Ndeko Mbikai sali Mokengeli ya koyanga na ya New Castle kuna na Angleterre asiate ya biswao sumeze moko na kolo lobinde ba kwa kubutwa kuzonga yango toko profiti marchandise ne fiske mokolo moko to de douani ava kende akozonga na biloko te tous les gens qui ont été mis en place. Les gens qui un grand privilège que d'être venu pour écouter la parole de Dieu. Ezali litomba monene ya koyaka koyoka liloba na Nzambe. Nous allons prendre une portion d'écriture. Tokozo eteni moko ya likomi dans le livre d'Agé. Na buku ya Agé au deuxième chapitre. Mukapwami bale. Nous allons lire quelques deux ou trois versets. Et après cela, le Seigneur nous conduira. Nous voulons d'abord dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, toi le Dieu d'amour et le Dieu d'éternité, nous te louons et bénissons ton Saint-Nom et te sommes infiniment reconnaissants pour le grand privilège d'être rassemblés en ce moment au devant de ton trône de grâce. Nous sommes rassemblés en ton Saint-Nom. Et nous avons l'assurance que tu es présent au milieu de nous. Parce que c'est la promesse que tu avais faite. Que lorsque nous viendrons ensemble, deux ou trois, tu serais parmi nous. Merci pour ta présence. Maintenant, Seigneur, viens. Et bénis-nous comme nous écoutons ta parole. Conduis-nous dans ce qui doit être dit. Fais-nous grâce, Seigneur, que ce qui va être dit, que cela puisse véritablement être la parole de Dieu. La parole qui apporte l'édification qui apporte le salut, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, que ce soit cette parole, Seigneur,
Nous croyons, Père éternel, ce que nous te demandons, tu nous accordes. Parce que c'est aussi la promesse. Vous me demanderez quelque chose au nom de Jésus-Christ. Cela vous sera accordé pour que la gloire et l'honneur puissent revenir au Père. Donne gloire au Père et exauce notre prière, car nous l'avons demandé au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est un grand privilège de revenir encore, d'être au milieu de vous aujourd'hui. Et nous avons été bénis toutes les fois que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer ici devant le Seigneur. Nous avons entendu la glorieuse parole de Dieu. Et nous avons compris dans les choses que nous avons entendues juste le temps que nous sommes ici là, que Dieu a un plan. Et que ce plan que Dieu a, c'est un plan qu'il a conçu avant la fondation du monde. Un plan qu'il a conçu dans toute éternité. Dieu a annoncé ses plans en avance par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Les prophètes ont annoncé ce que Dieu ont annoncé, le plan de Dieu. Ils ont prêché la parole de Dieu. Ils ont annoncé l'évangile du royaume. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu et il a prêché l'évangile éternel. Lequel évangile a été annoncé par les prophètes. Les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prêché le même évangile. L'évangile qui était annoncé d'avance par les prophètes. Le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Que lui, c'est lui que les apôtres ont prêché. C'est cet évangile éternel qui était perdu un moment. Dans l'histoire de l'Église, cet évangile avait disparu. Et c'est pourquoi le Seigneur notre Dieu a envoyé un prophète tel que nous l'avons entendu toute la semaine passée. Dieu a envoyé le prophète, notre bien-aimé frère Branham, pour nous ramener à cet évangile éternel, pour nous ramener à la parole de Dieu qui demeure éternellement, pour nous ramener à ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et c'est la volonté de Dieu que avant l'enlèvement, alléluia, c'est la volonté de Dieu que avant l'enlèvement, le message divin puisse être entendu dans le monde entier. Selon ce qui est écrit, Matthieu chapitre 24, il est écrit là-bas, Matthieu 24, si nous lisons le 14e verset, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors seulement viendra la fin. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Pelelo, je peux affirmer ici que cette parole d'écriture est accomplie. Alléluia. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume
est parti partout dans le monde. Et qu'il y a un peu de Alléluia. Amen. Maintenant, avant l'enlèvement. Ça, c'est le bosse qui a connu. C'est ça la volonté de Dieu aujourd'hui. Que cette bonne nouvelle du royaume qui avait été prêchée par le Seigneur Jésus-Christ, qui avait été prêchée par les apôtres, cet évangile doit être prêché avant l'enlèvement dans le monde entier pour servir de témoignage avant que la fin n'arrive. C'est la raison pour laquelle le Seigneur notre Dieu a envoyé un prophète et un enseignant. Amen. Amen. Je me rappelle quand nous étions ici le dimanche avant de partir. Notre diacre qui était ici a annoncé que nous allons avoir la journée de prière. Et le sujet de prière était la volonté de Dieu. Alors vous voyez, c'était difficile quand on nous a demandé de venir apporter quelques paroles ici aujourd'hui, de s'écarter de la volonté de Dieu. Et quand je suis entré ici, tout à l'heure, le serviteur de Dieu était en train de parler de la volonté de Dieu. Donc décidément, c'est la volonté de Dieu. C'est cela dont nous devons parler. Alléluia. Amen. Avant l'enlèvement, l'évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier. C'est pourquoi le Seigneur notre Dieu a envoyé un prophète avec un message et il a envoyé un enseignant. Et nous avons entendu très bien que l'enseignant n'a pas son propre message. C'est le même message. C'est lui qui était annoncé par le prophète. C'est ce message là-bas que l'enseignant donne. Alléluia. Amen. Frère Franck n'a pas son propre message. Il nous a apporté le même message que Frère Branham a prêché. Et cela est la volonté de Dieu aujourd'hui. Et ce message biblique du temps de la fin est celui-ci. Sortez de toute la confusion. Alléluia. Amen. Si nous allons à 2 Corinthiens au chapitre 6. Ici, nous lisons. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur notre Dieu. Les messages que nous avons reçus, c'est un message, c'est un appel à sortir. Alléluia. Amen. De rentrer aux Écritures en toutes choses. Alléluia. Amen. C'est de cela qu'il est question. Sortez du milieu d'eux. Et tous ceux qui sont destinés à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Ils vont reconnaître et ils vont croire dans ces deux ministères. Le ministère de prophète et le ministère de l'enseignant. Ils vont reconnaître le ministère de prophète de notre frère Branham et le ministère d'enseignant de notre frère Franck. Alléluia. Amen. Dans le livre de Romains au chapitre 9. Romains chapitre 9. Nous lisons Tozotanga. Romains chapitre 9.
Verset 28. La Bible dit, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Amen. Amen. Le Seigneur notre Dieu exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Amen. Amen. Avant l'enlèvement, il est écrit, et comment, si nous allons encore d'abord en Habakkuk chapitre 1er, nous lisons le cinquième verset. Le Seigneur dit ceci. Jetez les yeux parmi les nations et regardez. Et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Car je vais faire en vous, en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Alléluia. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, Kolonzamanabiso, exécutera promptement ce qu'il a décidé de faire. Et ici, il nous dit que jetez vos regards sur les nations et regardez en vos jours, en ces temps-là, au temps de la fin, je ferai une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la raconte. Dieu va compléter, va terminer le travail. Le travail qu'il a commencé. Et il va le terminer dans la victoire. Amen. Amen. Il va terminer son travail dans la victoire. Amen. Amen. C'est ce qu'il a fait, par exemple, avec Josué. Ezali yango asalaki dakisana Yoshua. Amen. Amen. C'était une œuvre grandiose. Ezaki musala moko munene. C'était une grande chose. Ezaki eloko ya munene. Il y avait la grande bataille. Ezaki etumba munene. Alléluia. Amen. Et Josué a regardé. Pe Yoshua talaki. Les temps en train de partir. Tango ezaki kokende. La bagarre en cours. Etumba ezaki kokoma makasi. Alléluia. Amen. Et Josué. Pe Yoshua. A levé les bras. Il a crié en disant, soleil, suspends ton cours. Toi, lune, arrête-toi là-bas. Et ces choses se sont exécutées. Ces choses se sont faites. Amen. Le soleil s'est arrêté. La lune s'est arrêtée. Et Josué pouvait continuer sa bataille avec la lumière. Alléluia. Amen. Dieu continue, fera la même chose Zamba kosala lolenge moko avant la fin. Liboso, ce sont là les grandes œuvres dont il parle, les grandes choses dont il dit que je ferai au milieu de vous en ces temps-là des grandes choses telles que si on voulait raconter. Nantine ya biloko wana ya minene ndazali kolobete na kosala kati na mikolo na pino musala moko monene soko ba kolobela bino yango bokoka kondi mayango te. C'est-à-dire, bien aimé frère, que avant l'enlèvement, ceci arrivera certainement. Dans chaque assemblée locale, chaque frère, chaque sœur, chacun sera inclus dans le programme de Dieu. Chaque église, chaque frère va prendre part dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu va s'accomplir parfaitement. En ces jours-là, alléluia. Amen. Sous la puissance du Saint-Esprit, le peuple de Dieu que nous sommes, nous allons commander, nous allons parler, et ça va arriver. Amen. Amen. Nous allons dire, je ne parle pas de prier.
Ça ne sera pas la prière. Nous allons parler. Tokoloba. Ça va se faire. Salama. Ce sont les promesses bilaka avant l'enlèvement. La c'est cela dont la Bible dit. Yangonde, Bible il fera des grandes choses. Et nous allons exprimer la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu va s'exécuter. Parce que Dieu mettra en nous sa volonté et c'est elle que nous exprimons et c'est elle qui va se faire. Amen. Amen. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, nous prions. Aujourd'hui, Lelo, nous jeûnons. Tozokila. Mais à ce moment-là, tangwana, nous n'allons pas prier. Tokobondelate, nous allons parler. Tokoloba, et ça va avoir lieu. Pe yangwe ko salama. Alléluia. Amen. Dieu lui-même Zambe yemoko, mettra sa volonté en nous. Akotia mokano na yekati na biso. Il mettra sa pensée en nous. Akotia likanisi na yekati na biso. Et quand nous parlons, tokoloba, nous serons en train d'exprimer la volonté de Dieu. Ekozalete tozo talisa mokano ango ya Nzambe. Alléluia. Amen. Dans les livres de Agé que nous avons lu ici, kati na buku ya Agé oyo to lingaki to tangao, la Bible dit que Bible elo biete Agé chapitre 2 Agé mo kapomi pale le Seigneur dit car ainsi parle l'Éternel des armées boye elo bi ya wena mapinga encore un peu de temps le susu mo tango moke. Alléluia. Amen. Il dit, je bralerai le ciel et la terre. La mer et le sec. Je bralerai toutes les nations. Le Seigneur dit, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Il dit, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette maison, cette dernière maison, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. La croix de cette dernière maison est plus grande que celle de la première maison. Et la maison dont il est question ici, c'est toi, c'est moi. La maison dont il est question ici, c'est l'église. L'église, à la fin, sa croix sera plus grande que la croix de l'église qu'il y avait au départ. Alléluia. Amen. Dans Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 25, le Seigneur dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix embrala alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, il faut encore, j'embralerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, nous sommes recommandés, on nous enseigne ici. Faites attention. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Amen. Amen. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Dieu parle du ciel maintenant. Et il dit encore une fois,
Alléluia. Amen. Parce qu'il avait déjà fait ça. Il dit encore une fois, je veux embraler. Cette fois-ci, non seulement la terre, mais même les cieux. Alléluia. Amen. Donc avant l'enlèvement, le monde va être embralé. Ça sera embralé par ce que le Seigneur fait. Amen. Amen. Dieu sera en train d'exprimer sa volonté d'une manière puissante. Zamba kotalisa mukano na yena denga yanguye. Na lolengete. Toute la terre sera embralée. Mapele mo bimbe koningana. Amen. Amen. Nous disons que avant l'enlèvement, toko lobete libosi na koneto. Des choses extraordinaires vont avoir lieu. Piloko ezali ya mukilo ite ko salama. Dieu va embraler la terre. Zamba koningisa mabele. Il va embraler les cieux. Akoningisa balola. Le monde verra des choses qui n'ont des choses terribles. Mukilo ba komona piloko penza ya somo. Et pe avant l'enlèvement. Liboso na koneto. Dieu va faire des complètement ses saints. Zamba kosala na biso na mopimba basantu na yi. Amen. Amen. Dieu va compléter la sanctification. Zambe akokokisa kosantisama. Au dedans de chacun de nous. Na katikati ya moko na moko na biso. D'abord nous croyons. Donc andeto zondima. Et quand nous croyons. Petango to zondima. Comme nous l'avons entendu. Nous sommes sanctifiés. Biso to sainte sami. Par le sang de Jésus-Christ. Na makila na Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand nous croyons, wana to zondima, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Biso to sainte sami na makila na Jésus-Christ. Quiconque croit, motunani andimi, sincèrement dans le Seigneur Jésus-Christ. Na bosolo kati na nkolo Jésus-Christ. C'est lui qui a sincèrement cru. Yo, yon a bosolo andimaki. Il est saint. Azali mou saint. Amen. Amen. Il est saint. Azali mou saint. Parce que sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Oui, te constant sambaka na makila na Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur. De komo bali nde komo asi. Croyez que vous êtes saint. Bondi me te bozali ba saint. Amen. 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 Vous êtes saint. Vous allez passer sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Par la foi que nous avons, dans l'œuvre accomplie au Calvaire. Cette fois-là, nous sanctifions. Dans le royaume de Dieu, tout s'est fait par la foi. Alléluia. Amen. Vous devez croire cela. Nous sommes saints. Tozali basanto. Et la foi est la chose qui nous donne cette sainteté. Pe kondimande eloko ngwe ko pesa biso bula wana. Par le sang de Jésus-Christ. Nanzela makila na nkolo Jésus-Christ. Donc comme j'ai dit dans le royaume, loko na lobika tina bokonzi. C'est la foi. Ezali kondima. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Bote la nkolo Jésus-Christ. Quand il avait affaire à cette dame qui avait la perte de sang. Tango asengela ke kobiki samasi wana zaki na litanga makila. Amen. Kotanga makila. Vous savez ce qu'il lui a dit? Webi yango alobela ke. Vous savez comment ça s'est passé? Webi lo lengini ne lekaki. Amen. Amen. Cette femme mwasi wana quand elle a entendu. Tango ayokaki. Elle a cru andimaki que lui peut guérir ma maladie. Ete ye Yesu akoko biki sabokono nangai. Elle a pris la résolution. Azuaki mukano. Elle s'est dit. Amilo belaki. Quand je touche son habit. Tango na kosimbe lamba na ye. Je suis guéri. Na biki sami. Alléluia. Amen. Elle a dit. Et ce n'était pas écrit quelque part. Ce n'était pas une leçon qu'on lui a donnée. Eko mama ki esika mokote zaki malaki c'était ba pesa ki. Elle a cru. Ya ndimaki. Amen. Amen. Et quand il est arrivé, dans le combat le Seigneur Jésus-Christ, elle s'était dit, Amilo Belaki, quand je touche son habit, Natango, nazo simba ilamba na je suis fait. Ah, et salami. Amen. Amen. Maintenant, ça c'est.
Et laissez, parce que à ce moment-là, le Seigneur était entouré de multitudes. Il a étendu sa main pour pouvoir toucher le Seigneur. C'était encore loin. Il a bousculé, il a effrayé le chemin. Et par derrière, il a touché les pentes. Il arrive à toucher les pentes de sa robe. Et immédiatement, le flot s'est arrêté. Et il a senti... La maladie est finie. Ah, vous connaissez. Alléluia. Amen. Et pour preuve de cela, le Seigneur s'est arrêté. Kolo atelemak. Dit qui m'a touché? Alléluia. Amen. Et Pierre a dit. Répète le. Mais Seigneur. Oh, encore. Mais c'est comment encore? Kase zali boni boye. Comment? Boni. Beaucoup de gens comme ça te bousculer à côté de toi. Bah tu es pelé po ye ba kotindi kama. Comment tu vas demander? Bipai na bipai. Qui m'a touché? Nanya simingai. Le Seigneur a dit. Kolo lobe. Quelqu'un m'a touché. Ah, il y a solo, moto moko asimingai. La touche de la foi. Ya konima. Les autres le touchaient. Basus wazaya kosimba kosimba ye. Alléluia. Alléluia. La touche de la foi. Kosimba ya konima. Amen. Amen. Alors le Seigneur a tourné, il promenait le regard. Na bongo kola baluka kaza ki kotala pe bile lobi. Quand cette femme na tango masiwan a vu a monak qu'elle a été reconnue. Ye ayebaki. Elle a avoué ce qu'elle a fait. Alléluia. Amen. Mais pourquoi je suis venu en cela? C'est juste la foi. Mon le Seigneur a dit à cette femme après. Kolo alobaki na mwasi wana nsima. Et lui a dit. Alobaki na ye. Ça vous trouvez en Luc chapitre 8. Wana bokota nguna Luka mukapo mama. Si vous lisez le 48e verset. Soko botangi molongo ya le Seigneur lui a dit. Kolo alobaki na ye. Ta foi t'a guéri. Kondi manayo epiki siyo. Amen. Amen. C'est la foi qui a guéri cette femme. Quand demandé biki sa Seigneur lui a dit va en paix, ta foi t'a guéri ma fille. Ben kola lo baki na ikende na kimia. Quand demandé biki sio mwana na ngaya mwasi. En Luc chapitre 8 verset 50. Na Luka mwambe tukumitano. Parce que quand cette affaire est arrivée. Wete tangu likambwana iko maki. Le Seigneur était en route. Kola zakati na nzela. Vers la maison de ce monsieur dont l'enfant était en train de mourir. Azako kena na ndako ya mtu huyo. Mwana zake kokufa. Yenda yake pona kosenga na kola. S'il te plaît. Na bondeli yo. Viens, impose ta main sur mon enfant. Yaka ucha maboko na yole kolona mwana anga komiki sama. Cette femme est intervenue. Mwasi wana yake na katikati wana. Alléluia. Amen. En ce moment-là. Na tango wana. Juste quand le Seigneur finit avec dit à la sœur là-bas que tu es maintenant guéri. Kaka na tango za. Kaka guéri. Na tango kolona sisa kina mwasi wana lobike koni manawe biksiyo. Qu'est-ce qui arrive? Nini angoye komaki? Les gens viennent de la maison de ce monsieur là. Ba to ba uti na ndako ya mbuta moto wana. Et lui disent. Eh alobi. Ça ne sert à rien d'embêter encore le maître. Tika kotongi sa susu nkolo. Laissez-le tranquille. Tika yekimia. Ta fille est déjà morte. Moi non ya mwasi asili kokufa. Amen. Amen. Ta fille est morte. Moi non ya mwasi asili kokufa. Le Seigneur l'a regardé. Kolo atalaki. Vous savez ce qu'il a dit à ce monsieur. Et puis angwa lobaki na monsieur wana. Verset 50, Luc chapitre 8. Luka mwambe. Ne sois pas, n'aie pas peur. Kobangate. Crois seulement. Dimakaka. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Kobangate. Crois seulement. Banga kak, elle sera rétablie. Pe, ye, akozongi sama. Alléluia. Amen. À Marc chapitre 10. Na Marc zone, mukapozone. Le Seigneur au verset 52. Kolo na mulongo tukumita na mibale. A dit à l'aveugle. Alobaki na mokufimiso. Il a dit. Alobaki na ye. Ta foi t'a guéri. Kondi manayo epiki siyo. Et immédiatement la Bible dit que le monsieur là a reçu sa vue. Pena mbala moko bibilia lobiete monsieur wana zwaki miso na ye amonaki. Mes sœurs et mes frères. Bande konanga ya mipali ya basi. Vous êtes votre foi, vous êtes ce que vous croyez. Bino bozali yango bozali kondima. Amen. Amen. Croyez que vous êtes saint. Bondi mete bozaba santo. Et vous allez marcher dans la sainteté. Pe bokotambola kati na bosanto ango. Amen. Amen. Croyez que vous l'êtes. Bondi mete bozali yango. Vous allez marcher dans la Amen. Amen. Croyez que bon, vous avez été rendu saint bon, par le sang de Jésus-Christ. Basanto, na, zelama, kile, encore, Jésus-Christ. Quand le Seigneur est venu sur cette terre, Attends, on, kola, yakina, mabeloy, il a dit Alobak, sacrifice et offrande, tu n'as pas voulu. Beka, pe, makabo, lingakite, mais tu m'as fait un corps. Kasi, osalera, kinganzoto. Et il a dit, Pe-a-lo-bak, voici, Talad, je viens pour faire ta volonté. Na-ko-ya-po-na-ko-sala-mo-kano-na-yo. Alléluia. Amen.
C'est ça ce que nous lisons, je crois, en Hébreu au chapitre 10. Yango toko tanga na Bible mukapozomi. Le Seigneur dit ceci. Penkola lo pipoi. Nous pouvons commencer peut-être au verset 6. Toko banda na mulongo ya mto. Commençons au verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Yo, c'est pela que t'es la mouiboma, eza la mbeka, pona di sumu. Alors j'ai dit, na bongo na lobaki, voici, talani, je viens, na zoya, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pona kosala, o nzambe mokano na yo. Amen. Amen. Par sa mort à la croix. Nanzela, na liwana ye na ikulusu. Par son sang. Nanzela makila na ye. Nous avons été sanctifiés. Bisoto sila ki kosanti sama. Nous avons été rendus saints par l'offrande de son corps. Amen. Amen. Par son sang, il nous a lavé de toute sueur. Il nous a lavé dans son sang. Amen. Amen. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a délivrés. Yenda kangola kibiso. Et il nous a sanctifiés. Pe a santisa kibiso. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui nous prépare maintenant. Pe zali yende akobongisa biso sasa pour la, le grand rendez-vous. Pona bokutani munene. Qui est en train de venir. Oye zali koya. Amen. Amen. Ici au verset 13 au chapitre 13 de Hébreux. Awa na mokapo ya zomi misato. Ya ba ebele. La Bible dit, verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il a souffert. Pour ta sanctification. Pour ma sanctification. Pour notre sanctification. Il nous a lavé dans son sang. Il nous a sanctifié. Alléluia. Alléluia. En nous lavant dans son sang. Il est mort pour nous sur la croix. Afin que par son sang, nous soyons sanctifiés. Nous sommes saints. Nous ne sommes pas des pécheurs. Amen. Amen. Par son sang, nous sommes sanctifiés. Il nous a sanctifiés. Il nous a délivrés de tout péché. Aujourd'hui, il n'y a aucun péché qui peut encore dominer sur nous. Nous sommes libres. Amen. Amen. Il n'y a pas de fils de Dieu esclave de péché. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Dieu d'abord a délivré son peuple. Donc on ne peut pas avoir un fils de Dieu ivrogne. Ou un fils de Dieu prostitué. Non. Nous sommes délivrés de ces choses. Alléluia. Amen. Et le travail de sanctification ne s'arrête pas par les. Le travail de sanctification continue. Mosala ya kosanza ma yoko koba. Par la parole. Nanzela lilopa. Amen. Amen. Ceux qui ont cru. Bayibandimaki. Ceux qui croient. Bayibazondim. Sont sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Bango ba santa mi nanzela makila koriyesu. Et Dieu continue la sanctification. Benzamba kokoba kosanza. Et le nettoyage. Pe bosokolami. Par le bain de la parole. Na maya liloba. Alléluia. Amen. Par le bain de la parole. Na maya liloba. Dieu continue son travail. Zamba kokoba na musala na ye. En Éphésiens au chapitre 5. Na ba Éphésiens mukapa mitano. Ici nous lisons. Awa tozotanga. Éphésiens chapitre 5. Ba Éphésiens mukapa mitano.
verset 26. Et ça, c'est la raison pour laquelle Christ s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même pour nous. Pourquoi? Afin de nous sanctifier en nous purifiant et en nous lavant par l'eau de la parole. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a fait ça. C'est pour nous sanctifier en nous lavant dans les bains de la parole. Comme vous êtes en train d'écouter là, vous êtes en train d'être lavé. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de laver. Est-ce que nous comprenons cela? C'est ce que le Seigneur est en train de faire pour nous. Il nous lave chaque fois que nous écoutons la parole. Chaque fois que nous sommes à l'église. Le Seigneur continue l'œuvre de sanctification. Amen. Amen. Il nous lave. Par les bains de la parole. Il nous sanctifie. Dans le sang de Jésus. Et il nous lave. Par les bains de la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il s'est sanctifié lui-même pour cela. Et c'est pour cela. Parce qu'il devait nous sanctifier par la parole. C'est pour cela qu'il a envoyé le prophète. Avec le message. Avec la parole révélée. Pour sanctifier son peuple. Par cette parole même. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il nous sanctifie par sa parole. Et lui nous sanctifie par sa parole. Et nous, nous sanctifions nous-mêmes. Amen. Amen. Comment est-ce que nous sanctifions? Nous sanctifions nous-mêmes en obéissant à la parole. Amen. Amen. Donc le Seigneur, quand nous croyons en lui, il nous sanctifie par son sang. Et le travail de sanctification ne s'arrête pas. Le Seigneur déverse de l'eau sur nous. Et nous lavons. Parce que si vous allez sous la douche, vous ouvrez votre douche. Ofongoli mai na yo. Ou si ce n'est pas la douche, vous avez votre cantine d'eau. Vous entrez dans la place là où on se lave. Vous placez les cantines d'eau là-bas. Vous regardez les Yo, vous allez côté la cantine wana yamai. Oui, après peut-être 5-10 minutes. Si maya 5-10 minutes. Vous ressortez. Obimikuna. Vous n'êtes pas propre. Yo, vous allez propre. Amen. Amen. Vous entrez sous la douche. Yo, continue à kikos. Vous pouvez ouvrir même la douche. Okoko fongola tama ino ya robine. Comme ça, l'eau tombe sur vous. Okoko tika maya koyi likolo na yo. Vous ne faites rien, vous fermez seulement les yeux. Vous allez l'eau côté au kangika kamis. Après 10 minutes. Si maya 10 minutes. Vous quittez la douche. Obimi wana. Vous êtes encore sale. Vous allez nano na saleté. Amen. Amen. Pendant que l'eau tombe, na tango mai ezokwe. Vous vous frottez. Vous allez communiquer. Vous travaillez. Vous allez kosala musala. Pendant que la parole vient, na tango lirobeye. Vous obéissez. Vous allez kotosa. Amen. Amen. C'est en obéissant à la parole. Ezande na kotosa kana yo. Vous vous sanctifiez pour vous. Vous allez komisa tsebino moko. Alléluia. Amen. Obéir la parole. Kotosa liloba. Obéir les instructions. Kotosa malako. Voilà ce qu'il faut. Tala yangwe sengeli. Voilà le travail de préparation. Tala musala ya komilengela. Que le Seigneur est en train de faire. Oyo nkolo azo sala. Le Seigneur a dit. Kola lobaki. Jean chapitre 17. Na Yohane zomi na sambo. Il a dit ceci. Alobaki boye. Jean chapitre 17. Yohane zomi na sambo. Nous regardons au verset 19. Il dit, et je me suis sanctifié moi-même pourquoi? Afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Amen. En obéissant à la parole,
En obéissant aux instructions qui sont données par la parole, nous nous sanctifions. Amen. Amen. Dans ce message, Katinasangoy, nous avons l'évangile du royaume. Dans ce message, Katinasangoy, nous avons la doctrine. Tozui malakisi. Nous avons la parole prophétique. Tozui liloba ya lisakoli. Nous avons les instructions que Dieu nous a données. Tozui malakoy nzamba pesa kibiso. Sur comment vivre, lengenini ya kobika, comment nous habiller, lengenini ya kolata, comment nous comporter, lengenini ya kotambola, comment il faut nous conduire, lengeto sengelini komikamba. Nous avons toutes choses. Tozui biloko biso. Et en obéissant à ces choses, bena kotosaka na biloko nyonso. C'est là vous, votre sanctification. Wanande kotansa malabino. Amen. Amen. So, nous sommes donc sanctifiés par le sang. Nabongo, tosi la ki kotansa mala makila. Nous sommes sanctifiés par la parole. Tosansa mi nanzela liloba. Et avant l'enlèvement, peli bosi na koneto lama. Dieu lui-même, Zambe yemoko, va compléter cette sanctification en nous. Akoko kisa kotansa mwana kati na biso. Amen. Amen. Lui-même yemoko va faire akosala pour que nous puissions être trouvés. Pwete tokutama. Complètement namobimba saint basant. Amen. Amen. Saint dans notre âme basant kati na mulimo na biso. Saint dans notre esprit basant kati na ilimo na biso. Saint dans notre corps basant kati na zoto na biso. Le Seigneur va faire de nous kola kosala na biso sans tache na kozanga litono ni ride toli yuta. Comme nous pouvons le lire dans Ephésiens chapitre 5, vous connaissez le verset. Le verset 27. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur veut se présenter cette église à lui-même. Il fait la feu. Pur. Sans tache. Ni ride. Ni rien de semblable. C'est comme ça qu'il veut se la présenter. Alléluia. Donc avant l'enlèvement. L'œuvre de sanctification, c'est pourquoi j'ai dit que l'œuvre continue. Moussala ya kosansa mayangona lopi, moussala ya continue à nous sanctifier. Azo koba na kosansa biso. Mais avant l'enlèvement. Kasi liboso na koneto la. Le Seigneur va compléter la sanctification. Kolo akokokisa kwa kosansa. Aujourd'hui nous sommes saints. Les lotes ali basante. Il y a parfois vous vous rendez, il y a parfois des choses. Tango mususu ezomi makambo. Il y a un petit péché qui te colle là. Moi li sou muke oye kangami na yo. Un petit défaut. Moi mbeba moko boye. Alléluia. Amen. Ça te colle là. Et kangami na yoana. Tu es conscient de cela. Yo, oyebi yango. Oui, tu veux. Obondeli. Tu ne veux pas ça. Olingi yango te. Mais cependant, tu tombes toujours dedans. Zokande uza kokoya kakawana. Amen. Amen. Ces choses arrivent. Biloko wana ezokoma. Mais ne vous en faites pas. Kasi bomi tongisa te. Avant l'enlèvement. Libosi na koneto. Tout ça sera parti. Nyonso wana kokene. Amen. Nous serons purs. Tokozala pete. Saint. Basant. Complètement saint. Juste comme le Seigneur veut se présenter lui-même. Pur, sans tache. Ni ride. Ni rien de semblable. Comme il veut. Alléluia. Amen. Frère. Pandeko. Les gens verront cela. Bato bakomona yango. Ils verront des hommes sans faute. Bakomona bato bazangi mbeba. Sans tache. Bazangi litono. Rien du tout. Et l'autre côté. Et l'apôtre Paul. Ben Thomas Paul. Nous encourage. Ako pese bison piko. Il dit regardez au Seigneur notre Dieu. Ako lo botala na nkolo ye. C'est lui qui a fait la promesse. Yende a pesa ke laka. Et il est juste. Pe azali. Et il est fidèle. Pe azali sembo. Pour accomplir cela. Bona kokokisa yango. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui nous a appelés. Yende bianga kibiso. Il accomplit cela. Dans les livres de 1 Thessaloniciens, nous pouvons lire cet encouragement de la part de l'apôtre. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 7. Verset 7. Nous lisons au verset 23. La Bible dit Bible que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être. Amen. Amen. Complètement, tout votre être. L'esprit. Elimo.
l'âme Molimo. Et le corps, Penzop. Que cela soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc Dieu fera de sorte que avant l'enlèvement, que nous soyons saints dans notre âme, saints dans notre esprit, saints dans notre corps. Tous les démons qui nous troublent aujourd'hui, ça sera fini avec eux. Amen. Amen. Nous sommes des chrétiens. Nous allons Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons pas ensemble. Mais comme nous avons dit, c'est le colère de l'obaki. On a, il y a encore des petits trucs qui dérangent par-ci par-là. Nous allons tout moi, ma camoufler mes coups. Nous allons continuer cette mission. Nous voulons pas, nous luttons contre. Nous allons copier quand les gens te l'invitent. Nous allons copunda. Ne soyez pas désespérés. Ah, bon, bon, ils sont plus côté. Vous n'allez pas avoir ça devant le Seigneur. Bon, que soyez angoté, ils bossent encore. Avant l'enlèvement, ils bossent encore tout sera parti. Nous sommes coquende. Amen. 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 On continue. Ok. Dans le livre de Actes, chapitre 3. Nabuko ya misala mukapo ya misato. Nous lisons ceci. Tozo tanga boy. Actes chapitre 3. Misala mukapo misato. Nous lisons à partir du verset 19. Toko tanga kobanda molongo ya zomi na libwa. Le Seigneur dit ceci. Kola lo biboyi. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et des miracles en bas sur la terre. Na komonisa uta lola makambo ya somo pebi kamiseli na mabele. Non, non, je suis en train de lire 2. Sorry. Actes chapitre 3. Vous allez voir Misala, mon capo Misato. Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. C'est là le début de la chose. La repentance. Amen. Amen. Répentez-vous et convertissez-vous. La repentance. La conversion et le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le début de la marche chrétienne. Et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, Thomas Petelo, conduit par la puissance, par le Saint-Esprit, a annoncé les choses qui vont arriver au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant le retour de Christ, il y a deux choses qui doivent avoir lieu. Il y a le temps de rafraîchissement, comme nous lisons là. Et il y a le temps de restauration de toutes choses. Et Dieu a envoyé le prophète avec un message de restauration. Élie devrait venir et rétablir toutes choses. C'est ce que le Seigneur, notre Jésus-Christ, a confirmé. A parlé lui-même de sa propre bouche. Lorsqu'il descendait avec ses disciples de la montagne de transfiguration, le Seigneur a dit, parce que la question lui avait été posée, pourquoi les que Élie doit venir. Le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 17, on peut le lire au verset 11, dit,
C'est vrai, Élie viendra premièrement. Ya solo ete Élie akoya yambo yambo. Et il viendra pour rétablir, pour restaurer toutes choses. Pe akoya po azong se biloko biso. Et notre frère Branham est venu. Pende kuna biso Branham ayaki. Dans la puissance et l'esprit d'Élie. Kati na nguya pe Élie moya ile. Avec un message de restauration. Na sango moko ya bozong sami. Le message que vous et moi nous avons reçu. Sangoyo bino na ngai tondi mak. Est un message de restauration. Ezali sango moko ya bozong si. Et par ce message. Na nzela sango ngo. La vérité a été restaurée dans l'église. Solo ezongi samaki kati na kelesia. Par ce message. Na nzela sangoyo. L'enseignement a été restauré. Malaki sezongi samaki. L'expérience de salut a été restaurée. Biki ya lobiko, toute chose samaki. A été restaurée. Biloko biso bizongi samaki. So, ce n'est pas seulement la doctrine. Ezali kaka malaki site. Ce n'est pas seulement l'enseignement. Ezali kaka te malaki site. Ce n'est pas seulement les baptêmes. Ezali kaka te les baptisi. Qui ont été restaurés. Les zongi samaki. Mais l'expérience chrétienne. Kasi ma biki ya bokristo. La repentance. Kole la mabe. La conversion. Ko bongo la motema. La nouvelle naissance. Botama ya sika. Le baptême du Saint-Esprit. Les baptisés à l'Église. Tout a été restauré. Yon sezon ki samaki. Et tout véritable croyant. Pe mon diminution sur sol. Qui est destiné à l'enlèvement. Oya bongi sami na konetola. Doit faire l'expérience chrétienne. Asengele asala lipiki ya bokristo. Dans sa marche de chrétien. Kati na etambo na ya bokristo. Asengele pike la kole la mabe. Il doit expérimenter la conversion. Asengele pike la ko bongo la motema. Le renouveau. Il doit recevoir le nouveau cœur. Asengele azo motema ya sika. Il doit recevoir un nouvel esprit. Asengele azo elimu ya sika. La vie éternelle dont nous parlons. Tu dois maintenant nous sommes vivants, nous ne sommes pas morts. Bomo ya seko oyo tokoloba. Ça c'est tout ça na bomo. La vie éternelle. Tozi bomo ya seko. Ce sont les expériences, les choses qui doivent être faites. Ezali mabiki ya biloko bisengele bisalama. Amen. Amen. Et vous devez avoir ces choses là now. Maintenant. Pebo sengeli ko zabiloko na sasa ipi. Amen. Amen. Si vous mourrez dans ces choses là, soko kufi na biloko wana. Alors vous êtes mort en Christ. Vous êtes mort en Christ. Na bongo yo kufi kati na Christ. Amen. Amen. Mourir en Christ. Ko kufa kati na Christ. Ça ne veut pas dire. Elinko lo bate. Mourir dans l'assemblée. Ko kufa kati na koyangala. Te. Mourir en Christ, kokufa kati na Christ, c'est mourir après avoir avoir fait l'expérience de la repentance, la conversion, le renou, tout ce que nous avons cité là. Après avoir fait ces expériences, si tu as fait ça et que tu meurs, alors tu es mort en Christ. Ah, kokufa kati na Christ, ezalinde kokufa ko na ko Koboya kabilo konyoswana donc kobikelaka kolela mabe kobongola motema kozwa libate sya mai nyoswana biloko nyoswana soko okufinde okufika tena Kristo. Amen. Amen. Voilà ce qu'on appelle mourir en Christ. Tala yango ba bianke kokufa kati na Kristo. Avant l'enlèvement. Ibosona koneto. Avant le retour de notre Seigneur Jésus. Ibosona bozongi na nkola na Yesu Kristo. Il vient pour prendre son épouse que nous sommes. Ako yepona kozwa mwasi na ya libale we biso tozali. Amen. Amen. Avant qu'il ne vienne, Ibosuetaya, toute chose devait être restaurée dans l'église. Biloko biso bisengela ki bizongi sama kati na kelesia. Tout enseignement biblique, malaki sinyosi ya Biblia, y compris les baptêmes du Saint-Esprit, kati na yango libatisi ya limo sa, les dons de l'esprit, makabu ya elimo, le fruit de l'esprit, bomba ya elimo, tout et c'est pas seulement ça, mais aussi et surtout, kaka wana te na koleka, une vie, bomo imoko, qui est une vie qui plaît à Dieu. Bon moi yo yoko se pelisa nzambe. Amen. Amen. Une vie qui est agréable à Dieu, voilà. Bon moi yo ezali ko se pelisa nzambe. Ça c'est très très important. Oui ezali penza penza la mutuya. Maintenant, chaque chose est rétablie. Ça c'est pe lo konyo se zongi sabe. Comme c'était au début. Lokola ezaki na ibandeli. Et c'est la promesse que notre rédempteur avait faite. Comme nous l'avons lu, vous pouvez lire aussi en Marc chapitre 9 verset 12. Lokola tokoko tanga pe na Malako mukapo ya libwa zomi na mibale. Le Seigneur avait dit. Kola lobaki. Que Élie viendra pour rétablir toutes choses. Et Élie akoya pona kozongisa biloko bisi. C'était la promesse à ce moment-là. Ezaki elaka na tango wana. Et notre frère Branham est venu. Pende kona biso Branham yake. Ce prophète promis. Msakuliwana alakamaki. Amen. Amen. Il est venu Ayaki
avec le message. Nasango. Il est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Avec le message de restauration. Nasango ya bozong sam. Et juste comme Élie de Tishbite avait lui-même rassemblé le peuple d'Israël dans au mont Carmel. Kaka lokola Élie a Tishbite a yangen saki du côté d'Israël. Nangomba ya Carmel. Il avait pris les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Azwa ki mabanga zo mna mibale weza ko talisa. De la même manière que cela avait eu lieu. Ndenge moko yango esalamaki. Élie de notre temps. Élie atangu na biso. A rassemblé. Ya yangali saki. La doctrine des 12 apôtres. Mala kesi ya bantu mazo mna mibale. Il a restauré sur les chandeliers. Ya tiaki yango likolo ya etelemelo ya mwindu. Il a restauré les choses sur la fondation ancienne. Azongisa kibiloko likolo ya muboko ya kala. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 2. Okana na yango komena ba Éphésiens kapabila. De la kotanga to mbale. Que tout a été nous sommes fondés sur Etebiso to tongami. Sur la fondation des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yesu si moko za kalibanga ngo ya muboko. Amen. Amen. Donc le message du temps de la fin. Na bango sango ya tango asuka. C'est le rassemblement, c'était le rassemblement de peuple de Dieu qui était éparpillé. Zaliko yanga lisa, les boîtes ensemble, oui papa langa na ki, kati na bibo ngisele, kati na mokili. Et tout rassemblé. Nyonso ko yanga lisaka. Et rendu ou retourné à l'enseignement qui était au départ. Eko zong samaka na malakisi oyezaki ya ibandeli ya bantoma. Le comme nous l'avons dit, le kola trobaki yango. La commande est sortez du milieu d'eux, vous Mitindo, mon père. Ezaliete, bopima, uta, katikati na bangoli bota langai. Et celui qui se trouve aujourd'hui en Dieu. Yewo isa lelo akutami kati na nzamba. Ou plutôt celui qui a trouvé grâce devant Dieu. To yewo yazwaki ngolo liboso na nzamba. Il va accepter. Akondima. Et il va croire ce qui est écrit. Pe akondima yango ekomami. Dans le fondement de l'Église. Kati na moboko ya kelesia. Ancien et le Nouveau Testament. Ezali boyokani ya kalape ya sika. Amen. Amen. Et le Seigneur nous a donné un avertissement très sérieux. Kolo apesaki biso ebukisi moko. Amen. Amen. Il a dit. Alobaki. Apocalypse chapitre 22. Emoni seli tukumi bala mibale. Il a dit, Alobaki, verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens, pe elimo, na mwasi libala, ba koloba yaka. Et que celui qui entend dise, viens, tekete yo ya koyoka loba yaka. Et que celui qui a soif vienne, et, yo ya zana posa aya. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et yo ya lingi akozo azoma ya bomo ina ofele. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Na kotato lango polele et yo ya koyoka maloba ya lisakoli ya bukoyo. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Soko moto moko abakisi na yango eloko moko. Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Zamba kopete na malozi oyo komami kati na bukoyo. Amen. Amen. Donc nous avons la véritable parole. La parole rétablie. Cette parole nous prépare. Elle nous sanctifie. Et elle nous conduit dans la stature du parfait. Parce que celui qui vient est la parole. Et il vient pour chercher la parole. Et la parole est parfaite. Et nous sommes amenés à ce qui est parfait. Ce jour-là, beaucoup de grandes choses vont avoir lieu. Comme nous l'avons montré, avant l'enlèvement, il y aura de grandes choses qui vont avoir lieu. Et nous allons parler. Et le ministère de la parole parlée va être accompli. Que Dieu nous bénisse. Zambe apambo la biso. Est-ce que vous voudriez que nous puissions amener vos salutations à l'église à Newcastle? Bokolingete tome mbote na bino na eklesi à Newcastle. Que Dieu nous bénisse. Zambe apambo la biso. Merci beaucoup. Matondi mingi de nous avoir au milieu de vous.
C'était un premier moment merveilleux. Ensemble. Que vous bénisse tous. Amen. Amen. Pouvons-nous lever? L'Iloba les a polélé. La parole est très claire. Pe kondima ya kandi na koyoka. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et nous venons d'entendre. Nous venons d'entendre la parole. Maintenant, nous pouvons voir la foi. Lorsque la parole n'était pas encore sortie, nous ne pouvions pas avoir la foi. Nous ne pouvions pas avoir la foi. Maintenant que la parole vient de sortir, les choses qui ont été dites dans la parole, nous les avons. Pourquoi? Parce que nous croyons. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, si la parole est prêchée, toi, l'auditeur, tu la crois? Tu as la foi? Des choses qui ont été dites dans cette parole-là. Lorsque toi tu crois la parole, tu crois ces choses-là. Alors quand tu les crois, alors ça devient tienne. Alors tu ne sortiras pas ici main vide. Tu sortiras avec beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais la chose que tu attends, c'est seulement de voir cela s'accomplir. Mais pour posséder, tu possèdes déjà ça. C'est par la foi que nous possédons. Tout est possible à celui qui croit. Crois. Et tu verras. Crois. Crois. Et tu verras la gloire de Dieu. Comment est-ce que nous avons Amen. Amen. Oui, frère Jésus. Yo bande ko bali bande ko basi. Omundi likambo ya batwana. Voyez la chose de ces hommes-là. Na basaduka. Les pharisiens des sadiciens. Bandi makiti. Ils n'ont pas crié. Alors moto andimité. Alors celui qui n'a pas crié. Asali mokano ya tata. Il n'a pas fait la volonté du Père. Oyo andimi. Celui qui croit. Kondime sala. La foi agit. La foi des œuvres. Quand les œuvres, nous entendons les œuvres, ils ont les œuvres de la foi. La foi elle-même produit des œuvres. A des œuvres. Ce sont ses œuvres. Ce n'est pas tes œuvres à toi, ni les miennes. Ce sont les œuvres de la foi. La vraie foi a des œuvres. Amen. Amen. C'est clair et net. Vous allez poler les poulets. Si quelqu'un dit qu'il a cru, il a la foi. Il n'obéit pas. Il n'est pas croyant. C'est un désobéissant. Un désobéissant, c'est un rebelle. Un rebelle, c'est un incroyant. Un incrédule. Pointre. Et ce qui en a. Celui qui croit, croit. Et sa foi a deux heures. Sa foi agit au Père de grandes choses. C'est comme ça. Oui, c'est très important. Le sang nous lave. Cela est vrai et nous garde pur. Sans le sang sur le trône, c'est fini pour nous. Et ce qui pour nous, le Seigneur savait. Parce que
Parce que comme lui avait fait le plan du salut. Comme il a conçu le plan du salut. Le plan de la rédemption. Et dans la rédemption, une rédemption sans une expiation. Une expiation. C'est non-sens. C'est le but de la mort de Jésus. C'est à cause de la rédemption. Son sang n'est pas une possibilité à cause de la racheter. C'est ce qui nous a donné la possibilité d'être racheté. Et étant racheté, le sang nous lave. Makilama kosokolabiso. Na biloko ezaki na Égypte. Des choses qui étaient en Égypte. De toutes les saletés là. Le sang nous lave. Makilama kosokolabiso. Et pour que le sang soit appliqué, comme dans l'Ancien Testament, il y faut avec l'hysope. Et l'hysope, la foi toute simple. Voilà. C'est cela. Qui n'est pas compliqué. La foi toute simple. Crois simplement. Et tu verras la chose. Et tu expérimenteras la chose. Sans la foi, le sang de Jésus ne peut pas être appliqué. Parce que dans cette examen, sans l'hysope, sans l'agneau, il le sang des agneaux ne pouvait pas être appliqué. Tu as ordonné à Moïse que chacun cherche de l'herbe appelée hysope. On n'achète pas cela, ça sort partout. C'est comme aujourd'hui, ça marche partout. Même si tu n'as pas ça, ça sort n'importe comment. C'est ça, l'hysope en Égypte. C'est pourquoi Pierre, dans les conseils de Jérusalem, il a dit ceci. Dans la même pensée que nous venons d'entendre. Acte 15. Verset 15. Acte chapitre 15. Il dit ceci. Il dit clairement. Il a dit aux Juifs. Il a dit. Au verset 8. Au verset 7, une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, « Oh mes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous. Et voici ce choix. Afin que, par ma bouche, les païens, les nations, Bicolo, les gentils, Bicolo, entendent la parole de l'évangile, de l'évangile éternel, et qu'ils croient. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. D'abord, ils doivent entendre par ma bouche la parole de l'évangile, de l'évangile éternel. Et après avoir entendu, qu'ils aient la foi, qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît le cœur, parce que c'est un croyant du cœur, et Dieu qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage. Et voici le témoignage divin, en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous, qui sommes juifs. Il a donné le même don aux gentils. C'est le témoignage divin. C'est Dieu qui a témoigné pour eux. Et nous devons croire au témoignage de Dieu. Car Dieu est grand, son témoignage est aussi grand. Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage.
Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Aucune différence entre nous qui sommes juifs et eux qui sont païens. Dieu n'a fait aucune différence. Ayant purifié leur cœur par la foi. Par leur foi, le sang de l'agneau fut appliqué. Et en appliquant le sang, leur cœur était lavé, purifié et bienheureux. Ceux qui ont un cœur pur, ils verront Dieu. Et ça, la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et ce que Dieu veut, c'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Prions le Seigneur. Pour faire ce que Dieu nous dit. Frères et sœurs, c'est très important. Vous voyez, vous pouvez être libérés aujourd'hui. Mais si vous ne faites pas attention, un autre démon est en esclave. Un autre péché est dominé le colonel. Il ne faut plus accepter. Pour refuser. C'est que le koboya. Toi, il est tondo. Merci beaucoup. Et la vraie parole demande la vraie foi, Seigneur. Donne-nous la foi. Augmente. Yakosala volonté. Non, qui est réel, qui vient de toi. Polo, na kati ali bondeli na yo. Oyebaki, qui peut sanctifier? Qui? C'est le Père. C'est Dieu. Le Père. Sanctifie-les par ta vérité. Merci. Merci. Yo goyo sopa makila. Dieu le Seigneur. Makila moi ma sopa naki. Afin de nous laver, nous purifier de tout péché, de toute iniquité. De tout défaut, de toute faute, de tout manquement. Mais tu as pourvu de la vérité. Afin que par la vérité nous soyons purifiés, lavés, sanctifiés de toute fausse doctrine, de tout faux enseignement. Merci Père. Le sang nous lave de tout péché. La vérité nous purifie, nous nettoie, nous sanctifie, Seigneur.
de toute interprétation, de toute fausse doctrine, comme nous venons de l'entendre. Toton Dieu pour l'amour. Et cela, c'est ta volonté. C'est ce que tu voulais. Et de moi, toi, comme parfait devant toi. Et le Messie est venu afin de faire ta volonté. C'est la volonté de Dieu, Seigneur, d'amener les assistants à la perfection. Merci. Et par l'offrande du corps de Jésus-Christ, tu nous as amenés une fois pour toutes à la perfection. Et nous allons au ton de Yopunamo. Merci. Et ce que nous sommes au Salango pour Nangaï, pour la bande de Copé, pour Nabisso, nous voulons expérimenter cela. Parce que dans ta pensée, tu as tout fait. Mais il nous faut voir l'accomplissement dans notre vie quotidienne. Merci Seigneur. Pour expérimenter. Biloko yo si o sala pona biso, po sala pona yote. O sala ngo pona biso. So nous aba bénéficiaire. Tolingi to expérimenter yango. Merci. Celui qui sanctifie toi, la vérité, la parole, le Fils. Et ceux qui sont sanctifiés, nous sommes tous sortis d'un seul. Toi, Jésus, notre Seigneur, au bon de la tata pour nous. Cette prière, sacrificature, sacerdotal. Et ça qui pour la yote, ça qui pour la bapuna. Ça qui pour la biso. Et tu as été exaucé. À cause de ta piété. Tu as été exaucé. C'est déjà fait, déjà accompli. Devant toi, nous sommes une église épouse, glorieuse et parfaite. Achevé. Et nous voulons expérimenter cela. Nous voulons. Je suis au sala pour Abisso. Merci. Et à ma cambo penza y Abisso. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de péché. Certainement que nous ne sommes plus de pécheurs. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Mais en tant qu'Église sur la terre, nous bronchons. Ça peut arriver. Mais le sang nous purifie. Nous garde toujours pur devant toi. Parce que nous avons un sacrifice sur l'autel. Alors, touche nos cœurs. Et pas y'a plutôt, ça la gimbilinga bilinga. Touchez mon thème, Nabiso, par ton esprit. Pour te regretter, pour se repentir. Peut-on mettre notre vie en ordre, en réparant, en confessant. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Vous en sommes, vous en connaissez. Vous en connaissez beaucoup, mon père, ma sainte. Mon frère, ma sœur. Paul. Vous pouvez dire ceci. Dans 1 Corinthiens. Chapitre 6. Le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes.
N'hériterons point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Vous qui êtes frère en Christ, ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les hommes, les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Personne d'entre eux n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Parce que maintenant vous ne l'êtes plus. Mais avant, autrefois, c'est cela ce que vous étiez. Avant d'avoir la foi. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous, c'est ce que nous étions. Mais Kasi, vous avez été lavés. Mais Kasi, vous avez été sanctifiés. Mais Kasi, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La sanctification de l'Esprit. Vous étiez, mais vous ne l'êtes plus. Vous voyez, frère. Mais verset 12. Mais le verset 12. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Non. Je ne me laisserai pas. Voyez-vous, et beaucoup de nous, d'entre nous, se laissent asservir. Se laissent asservir de quoi que ce soit. Et pourtant, vous êtes libérés, vous êtes affranchis. Tu es affranchi. Mais tu te laisses toi-même comme ça. Que tu sois servi par la chose là. Esclave de cette chose. Esclave de cette chose. Pourquoi? Yosomiangani ya Christo. Ya Nzambe. Le fils t'a affranchi. Tu dois demeurer dans la liberté. Et tu te laisses asservir par quoi que ce soit comme ça. Oh, ngai kaka nda ngai yo. Moi c'est maman colère ici. Kaka lolendo ngai. Ngai kaka koswana. Moi c'est maman kotonga. Moi c'est maman de kete. Tu te laisses toi-même. O mitiki yomoko. Asservi par quoi que ce soit. O chami na bongo na yoko somo. C'est pas correct. Eh longo banite. C'est pas correct. Eh longo banite. O mer soko zui sous na deux pierres. Voyez si tu prends encore deux pierres. Na deux pierres. Dans deux pierres. Comme les apôtres enseignaient et prêchaient les mêmes choses. Pierre à son tour. Dans deux pierres. Dans deux pierres. Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 19. Verset 19. Et il dit ceci. Il leur promet la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Wana bango moko bazali baumbo ya lipebi yango. Meyoka. Mekute. Car. Jambier. Chacun. Moko na moko. Chacun. Moko na moko. Est esclave. Bazali baumbo. De ce qui a triomphé de lui. Na yango elonga ki na ye. Eroko elongi ye. Ce qui lui a triomphé. Mutuana comme cet homme-là devient esclave de la chose.
Chacun est esclave. Moko na moko azamo wombo. Ce n'est pas écrit chacun est libre. Et comment mettez-vous moko na moko azale unsomi? Mais chacun est esclave. Moko na moko azamo wombo. De ce qui a triomphé de lui. Yango e longa ki na ye. Mais nous devons tout triompher. Ce singeli kolonga nyoso. Par la foi. Dans cela condiment. Car ce qui est né de Dieu, quiconque est né de Dieu, triomphe du mort. Et la victoire qui triomphe du mort, c'est notre foi. C'est notre foi. Il ne faut pas te laisser triompher de quoi que ce soit. Et finalement, tu deviendras esclave de la chose. Tu ne mérites plus d'être encore esclave de quoi que ce soit. Voyez, pourquoi? Parce que la Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est le sang de l'agneau. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes ou esclave de quoi que ce soit. Je lis verset 1 Corinthiens 6:20 et encore chapitre 7 verset 23. 1 Corinthiens 6, verset 20, 1 Corinthiens 7, verset 23. Voilà. C'est cela. Nous allons demander. Golo. Le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Triomphe de moi. Je crois qu'aujourd'hui c'est le vénère. Demain, ça sera le 30 juin. Demain, ça sera le 30 juin. Dépendant à Bakongolais. L'indépendance des Congolais. Mais chacun de nous, chacun de nous est indépendant. Chacun de nous devrait être indépendant. Quant au péché, na kota la kalisum. Prions. Tout bon est là. Na boy, le gomo go boy. Yelo ngangai te. Kondimawe koti en déroute l'ennemi. Merci Seigneur. Bakisiranga kondi. Et affirme. Dikuloya lilo banayo, dikuloya ya bilaka. Nalonga. Nasenga porangai, nalonga. Naboye loko, eloko moko boye. Et domino du corona nga te. Oh, et a faiblesse nga te. Na boy. Décision est na. Et quoi, mana moko na moko na kati na biso. Surtout les élis. Surtout nous qui sommes élis. Jamais t'auras de mangoti. Yo so pa makira pour la lissiko. Et c'est que nous aurons une délivrance totale. Un rachat complet. Une rédemption complète et parfaite. Merci. Merci. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur. Tu es bien venu.
Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non, avec le sang de bouc et de veau. Mais avec son propre sang, il a obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Malgré que le moko ait dominé le coronayo, malgré que quelque chose pouvait dominer le coronayo, pour t'a servi, mais la rédemption, c'est une rédemption éternelle. Merci beaucoup. Nous allons prier pour terminer. Dieu, est-ce que je fasse ta volonté? C'est-à-dire, ça veut dire ta parole. La que je la mette en pratique. C'est cela ta volonté. La volonté de Dieu, ce n'est pas chercher ailleurs, c'est la parole. C'est la parole. Des choses qu'il a dit, c'est cela sa volonté. Ce qu'il a dit, je le ferai, c'est cela sa volonté. Tu dois croire comme cela. Pratique cela. Prions. Oh, merci. Merci. Tulingi opo yo linga biso liboso. Biso do sambela yo po yo zanzambela biso. Toko fuka mela yo po yo zankolo. Toa nali pombo na tina na yo. Poza imo bateli na biso. Okoma yo zandeko na biso. Eh. Sengeli kondima. E kosalela. Makambo yo lobela biso nakati ya liloba. Ndi omonisa biso mukau na yo mokomama. E apo biso toye bango. Nanzia liloba limonisami. Nasira ya sango malamu ye yala yala. Eye paranganisami na bolongo mobimba. Na mwanje wana. Oyo lobake sangmalamu ya bokonji ekote yama na bikolo biso esunga na litatoli nde simanango suke koya pe obongisaki momemi moko ya sangwena daboro ya yaki nango a depose wana na chandelier. Moussous, au télémissie, à mes mangos dans mon mobile. Préve, en gros, tout ça, mbano. Résultat, y'a moussalam. Tu crois qu'on dit maté, ce qui aussi, si t'as un mobile, wanati. Qu'on a mes mangoti, na Congo. Joan Kem le coupe, ma sanzo. Eh bien, tu dis mi que, oui, babisopo, tu n'es pas sango. Tika tondi mango po ya mokanu na yo lelo. Toti ya sangu na musala, tobikira, tolanda, tosalila, tondima, toka kulati. Baye yo pesi mukumba koteya, bateya, biteya, teya, te. Biloko na biso mokote, metote ya sangu. Sangu ya Biblia, denge uti koteya manapoko wa lelo, yangonde toteya. Pebiso ba yoki tondi mabindimandi mate, tondi masango. Doko le lobi, makumi. Merci.
nzambe litoma nini makanisi nanga maluba nangai mukano nangai nandi makango me nakeni nangu wapi isuka kakawa isuka kakawa me suki nandimi makanisio ya yo nandimi mokano ya yo makanisi nangai na longoli yao na makamboyo na monika ya makanisi mabe ya yonde ya malamu ya bule na kwe sika yuza daero kwe ya kulukanga selon ta promesse ya wana kolo ezali kanisi ya moko na moko na bisu kondimbo ezaka agreable iboso na yo ezaka te bisu to kanaka makambo bisu to lingi kondima ezale to ndima ko yo kana oyo lingi nde motema na yo tata okosepela sunga bisu ezala makambo ebele to lingaka te me makambo na yo lingaka bisu to boya kama yo lingaka me ata bisu to linga ngote me yo zo linga bongo to ndima nde ndenge na yo wana to salirango boye to kosepelisa yo merci na kombo wa nkolo Yesu Kristo ndeko Pierre Ndombe akoya kobondela Dieu notre bien-aimé Père Céleste zambe tata na biso molinga myalola. Nous te disons merci pour la parole de ce soir. Amen. Tu nous as révélé la chose essentielle, Seigneur. C'est pourquoi tu avais dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais seulement ceux qui feront la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et c'est sur cette volonté que tu nous as entretenus ce soir, Seigneur. Et toi-même, le Seigneur, quand tu es venu, comme il est dit dans les psaumes, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens faire ta volonté. Amen. Tu nous as donné l'exemple, Seigneur. C'est à un grand prix que tu nous as sauvés. Après une souffrance atroce et avoir versé ton sang, tu as payer le prix pour nous racheter. C'est à un grand prix que nous avons été sauvés, Seigneur. Nous n'appartenons à personne d'autre, ni à nous-mêmes, mais nous appartenons à toi qui nous as sauvés. C'est pourquoi, Seigneur, rachète-nous de l'entendement de notre propre volonté, ni de la volonté de qui que ce soit, mais que nous puissions être armés avec le sentiment de ne faire que ta volonté. Éprouve-nous, Seigneur, et connais nos cœurs. Sonde-nous, Seigneur, et connais nos pensées. Regarde et vois si nous sommes sur une mauvaise foi. Vois, et ramène-nous sur la voie de l'éternité. Ôte de nos cœurs tout mauvais désir, Seigneur. Et efface de nos esprits toutes mauvaises pensées. Mais remplis-nous de ta parole pour ne faire que ta volonté. Amen. Lors de la prière sacerdotale, tu as dit, Père, je me sanctifie moi-même afin que je sois aussi sanctifié dans ta vérité.
Accorde-nous, Seigneur, le vouloir et le faire. Amen. Pour que nous ne fassions que ce qui est ta volonté. Amen. C'est une belle parole de ce soir, Seigneur. Amen. Nous t'en sommes très reconnaissants. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Bénis son ministère. Bénis chacun de tes enfants qui a reçu cette parole avec joie. Que nous sortions d'ici dans l'allégresse et dans la joie pour avoir été bien nourris par ta parole et en confirmation. Comme toi, notre Seigneur, tu ne viens pas à vide, mais avec toi, ta rémunération. Amen. Si quelqu'un est entré ici malade, il sort d'ici guéri au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui était enchaîné, qu'il soit délivré. S'il y avait quelconque péché qui dominait encore sur nous, que cela soit ôté de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Délivre les enchaînés. Kangola ba kangami. Accorde la vie éternelle à ceux qui ont désir. Et console tout âme affligée. Reçois honneur et gloire par Jésus-Christ et notre Sauveur. Amen. 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 Que l'Église dise Amen. Et Alléluia. Et Alléluia. Ouais. Pouvons nous asseoir. Comme le frère venait de dire, la sœur Dorothée est ici, elle peut s'élever. Voilà. C'est notre ambassadrice. Pour y Abotami Katina Kolonde Awa, communauté natale naye. Sa communauté natale naye. Se marié au frère Richard. Bakei en Angleterre. Ils sont allés en Angleterre. Mais si comme Tolu et Outa. Mais là où l'ombril est venu, l'origine de l'ombril. Est-ce que tu es ambié na Sengo Katina Biso? Nous recevons avec joie parmi nous. Nous leur donnons beaucoup de salutations qu'ils amènent là-bas chez les frères. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Voilà. C'est cela. Nous avons encore un day. Pour celui qui, la semaine passée, de Konabiso Timba, notre frère Timba, il était attaqué par l'AVC. Vite, vite, on l'a amené à l'hôpital. Et hier, avant même le même jour, frère Richard est à l'hôpital. L'un de nos diacres. Il lui a donné le téléphone. J'ai même causé avec lui. Et puis nous avions prié. Mais hier, Dieu l'a repris. Je crois qu'à la mingité, je crois à bientôt. Moi, si voyez, sa femme venait de décéder. Hier, le mari aussi est décédé. Dieu a donné, repris l'escantou, que ton nom soit loué. Le frère Timba Louaou a cloutou ya mobali ya ndeko na biso ya mwasi de Koumoisi, veuve Luzolo. Il est le grand frère de notre sœur, veuve Luzolo. Voilà. Et Bakovanda Kanabalabala Ngele. Ils habitent sur l'avenue Ngele.
Dans la parcelle où Frère Richard habitait anciennement. C'est non loin de là où habite la veuve Lodi. Mais ce côté-là, c'est l'avenue 17 mai, l'élo, mais l'ancien 24 novembre. Si tu entres par l'avenue 17 mai, autrefois appelé 24 novembre, quatrième parcelle. À droite. Numéro 285. Si tu as un peu, c'est Lodi à gauche. C'est là où se trouve le deuil. Mais l'ina kata mokote et pesam. Mais jusque-là, aucun programme n'est donné. Nous attendons. L'ina kanini di kopesama. Quel programme sera donné? Et après quoi? Nous allons nous annoncer ici. Mais c'est notre deuil. Parce que Frère Timba, tel qu'il est parti, il n'a jamais abandonné l'église. Il est le croyant de cette église. Sachant que nous avons deuil. Ce n'est pas seulement aller pleurer avec la sœur Luzolo, mais c'est pour que nous-mêmes nous puissions pleurer. Parce qu'il s'agit de notre deuil. Pour cela, n'oublions pas ce que nous avons l'habitude de faire. Parce que le seul garçon qui était, c'est lui. Sœur, voyez, Il faut que l'Église fasse quelque chose pour ensevelir le corps de notre frère. Sans dire que sa famille est là. Voilà, il y a un monde qui est ici. Dieu voulait nous amener. Venons nombreux pour continuer le dédouanement. Que Dieu nous bénisse au nom du Seigneur.